Déjà au départ, il y a 10 ans, la coopérative avait dans la tête et dans la vision d'élargir la gamme des produits, de s'agrandir vers des autres filières. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé. On était contacté par quelques producteurs de fruits pour est-ce que c'est pas possible de lancer faire belle le fruit équitable. On s'est mis autour de la table, on a expliqué le projet. Parce que c'est très important que le projet Faire Belle vient des producteurs eux-mêmes. Ce n'est pas à nous, les laitiers, de faire un projet pour les gens qui font les fruits. Et on a trouvé un groupe soudé, très motivé, qui se sont dit, voilà, nous autres, on veut se lancer dans cette aventure de la commercialisation d'une pomme et d'une poire équitable. Je pense qu'on s'est échangé beaucoup. Parce que c'est tout à fait un autre métier, les pommes et les poires, que du lait. C'est enrichissant pour tout le monde et pour la coopérative. Dans notre philosophie, c'est aussi unir, s'agrandir, mettre une agriculture très forte ensemble. Et le projet Faire Belle, le lait équitable, le fruit équitable, bientôt la viande équitable, c'est ça qui est depuis l'origine de la création dans notre DAN.